Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. On va faire une défense. Alors je sais, c'est pas très original, mais on a des choses qui sont finies. Alors déjà, on a le dernier laboratoire qui est fait. Donc maintenant, nous sommes à 5. Donc 5 labos et 5 fabrications. Donc, ouais, c'est pas mal. Aussi, on a terminé... Ah, c'est pas dans l'ordre. Voilà. Alors, les reposeurs de brume sont basés sur des... Ah oui, mais je crois qu'on l'avait tout. On avait tout lu, en fait. Nous pouvons employer cette technologie pour construire des repousseurs sur nos propres bases et contribuer ainsi au futur de l'humanité. Je crois qu'on l'avait déjà tout lu, donc il n'y a pas de truc nouveau. Donc oui, on peut maintenant faire... On peut faire ça. Donc j'en construis un à Phoenix Entrepôt. Donc c'est ici. Honnêtement, c'est pas trop utile au final parce que bah tout est détruit en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça. Enfin bref, en tout cas la base sera plus dans la brume, hein, c'est déjà ça. Et j'en fais un aussi à PHB. Ce qui est bien, c'est que il y a quand même des lieux en fait. Donc en théorie ça devrait les protéger et après on va sûrement devoir en faire ici, enfin un peu où c'est à risque, on va dire, où c'est à risque. Aussi donc le behemoth, il a été submergé, on était à 6 sur 12, je pense que en fait il a fait son rampage, genre il a tout détruit puis après il s'est cassé. J'ai juste détruit un des trucs volants, honnêtement c'était pas, je pensais faire une vidéo ou montrer ce qui s'est passé, mais en fait j'en ai détruit un, donc c'est ce que j'ai fait. Donc dès que le, comment ça s'appelle, dès que le, genre le dot en fait il m'a touché, j'ai désengagé pour éviter de me prendre un coup. Donc mon manticore en fait s'est crashé là, et après j'y suis retourné, je l'ai détruit, et du coup je me suis pris aucun dégât. On peut voir que le manticore 2 a aucun dégât, voilà. Il a juste baissé en munitions comparé aux autres, donc voilà c'est tout. J'ai même pas tiré les fusées éclairantes, donc ouais c'est un peu bête ça, mais voilà, donc c'est pas mal. Les lasers, vous désengagez, vous revenez, vous désengagez, c'est très bien en fait, parce que les lasers tirent très vite. Ont une très grande portée, donc ouais, ça marche bien de faire ça. Dans tous les cas, on a aussi un truc qui a été fini. Et là, ça c'était au quoi, on l'avait mis au commémoratif. Donc le confinement, ça oui, mais maintenant on a le labo de mutation qui est fini. Eh oui. Donc maintenant on peut voir qu'on a un plus 6. Donc permet aux soldats de subir des mutations et produire du mutagène, la matière brute pour les mutations. Donc maintenant, si on va dans personnages... On va en prendre un. On va prendre une personne. On va prendre Johnson. Johnson Garcia. Maintenant, on peut faire ça. On peut faire la mutation. Donc, on a la tête blindée développée via la modification d'ADN d'Artron. Cette mutation octroie 30 points d'armure de tête et une immunité complète contre l'étourdissement. Après, nous avons ça. Basé sur l'ADN d'Artron, cette mutation a des capacités de régénération. Restaure 10 points de vie aux bras et aux torses à la fin de chaque tour. Et une résistance au feu. Et après, nous avons jambes piétineuses. Créée à partir de l'ADN de Chiron, cette mutation octroie plus 5 points de force. La position de stabilité, entre parenthèses, 20% de précision à distance dans cette position. Et l'attaque piétinement. Les dégâts électriques effectués en rayon de... Oui, bon, ça, on le connaît. Par contre, c'est la position de stabilité. Je n'ai jamais vu qu'il y avait ça, honnêtement. J'ai jamais fait attention. Je sais qu'on a une personne qui a ça, mais... je me rappelle plus qui. Après, peut-être qu'on l'a pas utilisé. Ah, peut-être que... Enfin, si, Darag, on l'a déjà combattu. J'ai jamais vu qu'il avait une habilité spéciale. Hein. J'ai vu piétinement... Mais j'ai pas vu la position de stabilité. Cette mutation octroie plus 5 points de force et la position de stabilité. 5 points de force, c'est pas mal, c'est sympa. Et on peut pas faire plus que 2 augmentations. J'imagine en gros, parce que si vous en faites 3 dans le lore, on va dire, dans la logique du truc, ça devient des... les rejetés, là. Vous savez, ils sont tous modifiés de la tête aux pieds. Donc en gros, ils ont perdu la tête, quoi. Ils sont devenus fous. Bon, c'est un peu bizarre quand même de voir un corps... Enfin, c'est marrant.
Donc voilà, donc je pensais faire ça pour notre copain sur le Manticore 1, pour Johnson. Alors Johnson, il a une belle coupe de cheveux, il a une belle moustache, peut-être des petites barbichettes et tout ça. Je crois que tu vas tout perdre, mec. On va te mettre la tête blindée et je crois le torse régénérant. Ah, tu vas être stylé, hein. T'inquiète, hein, tu vas être stylé. Donc hop, mutation. J'aurais bien voulu avoir une petite cinématique. Alors, régénération, récupère 10 PV à toutes les parties du corps de points de vie généraux à chaque tour. Ça, c'est faux, hein, bien sûr. Faut lire la description à gauche. Hein. C'est bras et torse. C'est pas toutes les parties du corps. Ça, c'est faux. Je crois que quand c'était sorti, c'était comme ça à la base, mais c'était complètement OP, en fait. Donc après, ils ont modifié ça. De toute façon, c'est le corps et les bras qui ont été modifiés. Hein. C'est pas le reste du corps. Et après, une résistance au feu. Ça, c'est bien. Et on va lui mettre donc l'immunité aussi à l'étourdissement, vu que c'est un berserker. Donc hop, voilà, il a perdu sa moustache, sa barbichette et tout ça. Mais en tout cas, il est stylé, hein. Je trouve qu'il est bien baraque, hein, le crabe. Hein. Donc voilà, on a une bonne armure. J'ai pensé à mettre ça sur Rosa, mais bon, l'armure qu'on a, elle donne 40 en fait, quand on regarde. Donc, genre Rosa, elle est où Rosa? Rosa, elle est là. Donc ça, c'est 40. Et j'ai pas vraiment envie. Parce qu'en fait, c'est irréversible aussi. C'est irréversible. Donc je voudrais voir un peu le reste. Je sais qu'on m'a expliqué qu'on pouvait changer genre les mutations. Parce qu'on va en avoir d'autres. Genre là, on a d'autres crans. Donc on va en avoir d'autres. Mais après, on peut pas les enlever. On peut les intervertir, mais on peut pas les enlever. Surtout que si on a choisi une tête et un corps, par exemple, ben, on peut pas enlever le corps pour avoir une jambe, par exemple. Vous voyez, donc c'est définitif, donc je préfère attendre pour les personnages qui me sont chers, quoi, en gros, j'ai envie de dire. Et aussi, il faudra faire un jour ou l'autre, c'est les robots aussi, la technologie biotique. C'est quoi ça? Un vaisseau de parcours plus long. Ah oui, c'est vrai que ça aussi, il faudra le mettre. Ouais, ça aussi, le truc biotique, moi, ça m'intéresse, mais je crois que bien que c'est des ressources à chaque fois, donc du coup, bah, c'est très cher. Dans tous les cas, on va équiper notre dernière cobaye. On va équiper Johnson, maintenant qui est bien baraque. Anti-explosion. Ah oui, ils peuvent plus mettre aussi de gilet. Ils peuvent plus mettre de gilet. Ah oui, et aussi, vu qu'on a fini la recherche donc du brumisateur, là, du truc qui repousse la brume, on a aussi autre chose. C'est ça. Le module repousseur dissipe toute la brume dans un rayon de 2 cases pendant le déplacement. Donc ouais, on a aussi ça maintenant qu'on peut utiliser. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc par exemple, j'en ai mis un là. J'en ai fait deux, je crois, en tout. J'ai fait aussi des détecteurs de mouvement pour voir un peu comment ça allait fonctionner. Tiens, Abril, t'as qu'à prendre ça. Sniper, donc toi, tu vas prendre un soin. Toi, t'es bon quoi en pistolet? Fusil à pompe. Arme contact, pistolet et fusil à pompe, ça marche. Fusil à pompe, je crois que j'ai plus de munitions extra, par contre. Donc du coup, tu vas peut-être pas en prendre un. Faut que je vois. Non, j'ai plus de munitions. C'est pas grave. On va prendre un pistolet paralysant. J'ai envie de dire un pistolet laser. On prend les deux. Ça, c'est quoi? Mais pas ces pistolets, ouais. Ouais, tu feras un peu des dégâts. Et on va te mettre deux grenades. On va mettre des grenades un peu aux gens. T'es déjà plein. Toi, t'es déjà, oui, t'as déjà beaucoup de choses en fait sur toi. Toi aussi, putain. Très bien. J'ai remarqué aussi que le lance-grenade, tout le monde pouvait le porter. Ah oui, on a ça aussi. Qui c'est qui peut le prendre? C'est combien? C'est deux ou un, ça? C'est pas, c'est deux. On n'a pas des gens très très. Oui, il y a toi à la limite. Ouais, toi, t'as fait un peu de combat avec nous, du coup, t'es augmenté. Voilà notre équipe. C'est pas mal.
avec notre nouveau Johnson là. Donc il a combien de résistance? Puissance 25. Je sais pas, mais il a beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de lui mettre un pantalon, pardon. attendez. On a aussi ça, on peut lui mettre ça à la place. On a surtout des assauts. Il faudra faire des armures pour les assauts. Mais bon, il faut tellement faire de choses tout le temps. On a qu'à lui mettre voilà, le golem. Ça fait classe. Ça va. Je crois que le mec est classe. On va, s'il était chiant, si on pouvait pas trop parler avec lui par exemple, qu'il était, il était un peu relou, je sais pas, faire des blagues reloues et tout ça, bah maintenant il en fera plus. Donc ça va être refuge de d'Anu, de Calu, et voilà, donc il nous faut des ressources encore. C'est bien parce que ça va faire 8 d'Anu, et Anu en fait on est super bas. Enfin, super bas, on n'est pas super bas, mais ouais, ça serait, c'est bien si on peut, monter. Et après ça, je pense que ça sera donc une la mission de Jéricho. Je suis en train déjà de d'envoyer deux Helios là-bas. Donc ça sera là. Mais là, j'avais envie de montrer. Un peu notre nouveau copain là, avec le régène et tout ça. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Je suis content, ça avance. C'est un peu dur de se maintenir, mais petit à petit on arrive à débloquer les choses. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, surtout en légendaire. C'est quoi toi? Sirène Armis, jet caustique, contrôle mental, provoque frénésie, résistance au virus, réduit l'effet des dégâts virus de moitié. Ouais, maintenant ils sont vraiment. Ils ont plein de modifications, les trucs. C'est un peu abusé. Disciple d'Anu. Qui a ça? Très bien. Ah, le contrôle mental va être un peu relou. Je vais me mettre ici pour qu'on ait la vue sur la... Oh merde, c'est un sniper. Ah, tu vas t'en occuper. Fais pas de bruit. Hein. Mais bon, je suis sûr que le sniper nous a vus. Ready to engage. Je sais pas. Nothing's getting past me. C'est un peu la merde là, le coup du sniper en fait. J'avoue. Il faudrait se placer contre la... Après, peut-être qu'il nous a pas vus. Hein. Faudrait qu'on se fasse la sirène d'abord. Surtout éviter qu'elle contrôle quelqu'un. Ou si elle contrôle quelqu'un, que ça soit pas le sniper, quoi. Allez, c'est parti. Pas mal les mutations pour le moment. J'ai hâte de voir le reste. Ah, parfait.
tout en or et tout en plus, on dirait. Ah, bien, bien, bien. Va pas trop loin. Putain, saloperie. On va devoir lui couper la tête. Elle est marrante cette musique, j'ai jamais entendu. Quoi. Ouh, on a une autre sirène. Bon. Pas deux à la fois. Ok, on en a encore une autre. C'est l'arme qu'a pris. Donc il nous a bien vu. Waouh. C'est de la merde. Ok, ok. Tu as une armure complètement abusée, c'est bien. C'est bien, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, au moins toi tu fais mal, c'est bien. Au moins tu fais mal. Come get some. Ouais, 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 ça va bien se passer, tiens, tu vas voir. Let's do this. Voilà. Ça va vraiment bien se passer. J'ai remarqué aussi que le lance-grenade, tout le monde pouvait le porter, ça je sais pas. Où est-ce qu'elle va? Ah! Tu peux contrôler plusieurs personnes à la fois? Ok, ok. Oh merde. Ah, ça va. Non, 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 non. Nous, on le défonce par contre.
lui mis un gosse à elle. Parce qu'elle a les dégâts en plus des fusils d'assaut. Donc je me suis dit, on va lui mettre un gosse. Et bah ça marche bien. Ah, le sniper, je voulais l'utiliser. Merde. Eh ben... Toi, t'es quand même méga résistant, hein, je veux pas dire, mais... Ok. Ça t'a pas tué. Je ne vois pas. Finger on the trigger. Right there. Ça fait chier. Oh là là. Ah, c'est compliqué, hein, les... C'est compliqué, ces sirènes-là. Mais ouais, il nous faut un mix entre laser et ghost, je pense. Pour des moments comme ça. Ok. Donc toi, t'as pris ultra... méga cher, ça fait plaisir. Toi, t'es encore manipulé, ça fait plaisir aussi. Ce qui est con, c'est que toi, t'as pris une... des dégâts dans ta tête. Et du coup, tu peux pas régène. Par contre, ça soigne le saignement. C'est pas mal, ça. Comment on va faire là? Comment on va faire pour toi? Finger on the trigger. It's ready to engage. Bon, ben ça fait une. Suffisamment pour... suffisamment pour qu'elle meure du saignement. Bon, par contre, il y a trop de gens qui sont... I'm ready. Qui sont pris, là.
J'ai peur que la seule méthode, ça va être de le tuer, lui. On va essayer de pas le tuer, mais... d'autres ennemis. Tout le monde est contrôlé là-dedans, c'est une horreur. Là, il nous faudrait, je crois que ça serait le prêtre, je crois. Où il peut briser le contrôle mental. Enfin non, il protège les gens contre le contrôle mental. Et du coup, s'ils sont pas assez proches, je pense que passer à côté d'eux, ça enlève le contrôle mental. Très bien. Hope I can find cover. Bon, ça fait deux sirènes mortes. Ah tiens, sirène a paniqué. Je me demande si ça... Ah mais ça doit couper le contrôle. Le fait qu'elle panique, ça c'est une bonne chose. Tirer dans la tête, c'est ça. Par contre, il est méga résistant, hein, le mec. Hein. J'avoue que là, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Je suis assez surpris de ça. Et du coup, régène de tissu. Restaure 10 points de vie de bras et le torse à la fin de chaque tour. Ça attaque mis dans un rayon de 10 cases, inflige 25% de dégâts en moins. Ouais, il y a ça aussi. Donc, ça veut dire qu'il prend 30 HP par tour. C'est ça, hein. Du coup. Tiens, on va faire ça. On va pouvoir taper le monsieur. Voilà. Étourdi, très bien. Je peux tirer dessus? Non. Attends, viens ici. Si tu nous dois un soin... J'avais envie de pas l'utiliser, le mien. J'avais envie de pas utiliser le mien. Mais je me suis dit c'est quand même dangereux, donc... Alors, comment on va faire pour... On va aller récupérer les mecs. Ça va être chaud. Ah, on va faire ça. Avant d'y aller. Il me faudrait un pistolet en fait avec elle. Voilà, elle peut plus rien faire en fait. Ça fait chier. Arrête de... Vite de casser les fenêtres. Ben en fait oui, c'est vrai que c'est pas mal. J'avais pas pensé moi au coup de comment briser par exemple là on était dans un immeuble avec genre 3 personnes qui sont télépathiquement contrôlées.
Genre, comment faire? Parce qu'on peut pas atteindre la... la sirène, comment on fait? Bah du coup, c'est la panique. C'est vrai que... tuer des monstres et faire de la panique, oui. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne balance, en fait, dans le jeu. Ah, il lui a coupé le bras. C'est bien, ça. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je vais voir. T'es à... 120. Je sais pas s'il a pris des HP ou pas, non. Non, il faudrait soigner. En fait, il faudrait utiliser un kit de soins, je crois. Oh, attends, je crois que... ça, c'est genre, au tour suivant, l'unité sera étourdie. Les capacités nécessitant des points de volonté sont... genre, il peut pas être étourdi, lui. Il est immunisé contre l'étourdissement. Oh, ça tue! J'avais pas pensé à ça. Donc cette habilité, en fait, je peux l'utiliser souvent, quoi. J'ai pas besoin d'avoir peur. Vachement intéressant. Vachement intéressant. Alors, fais voir, toi. Tu la vois bien ou comment ça se passe? Ouais... je suis en train de... quand même, j'hésite entre le... oh non. Oh non. Le sniper... ready to fire. Go, c'est... et le laser. Waouh. Vous êtes... c'est sérieux, là? Toi, t'as un truc anti-brume ou pas? Merde, il n'y a pas écrit. Anti-explosion. Ah, répulsif de brume. Faut voir un peu comment ça marche. Oh! Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ça marche, ça fonctionne. Ah, putain, il faut passer par là. Moving to coordinates. Acquiring target. Mm-hmm. I see them. Heading out. Oh là là. Je sais, il y a beaucoup de monde dans l'immeuble. Genre là, par exemple, si elle avait le... par contre, la régène de tissu, je voudrais savoir si ça régène quand on perd un membre, en fait. Où est-ce qu'elle va encore? Normalement, on devrait pouvoir la voir. Oh là là, où elle va? Oh, peut-être pas. What's our plan? Elle est où, cette saloperie? Elle est là. J'ai personne de ce côté. Putain, tu me fais chier. We
Receiving loud and clear. Moving now. Keep it together, operative. Yeah. A visual. Dashing to the coordinates. Quickly! C'est quand même la merde, hein, le contrôle mental. Hein. C'est bien de la merde. Il nous faudrait pareil, il nous faudrait le même pouvoir. J'en étais sûr. Let's show them what we can do. Already there. Eyes peeled. Failed to connect there. J'en étais sûr. Ça fait 2 soins. I'm on the move. C'est embêtant. I'll try to get there in one piece. Ouais, elle est loin. Making haste. Très bien. Repositioning, prioritizing speed. J'aime bien les mutations là, je trouve ça cool. Surtout que le cool que le mec soit immunisé, ça je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment sympa, immunité contre l'étourdissement qui marche avec l'habilité là. Je trouve ça vraiment cool. Attends, qui est-ce qui a besoin? Quelqu'un a besoin de soins? Bah ouais, notre mêlée là, notre muté. Est-ce qu'il peut se faire soigner? Nickel. Ouais, parce que moi je dois combattre après encore. Là ça va, on est ouais, ça va. Toi t'as plus de soins. Toi tu l'as utilisé sur la saloperie de sirène. Toi non plus, ok. Steady. Pas mal. Voilà. Bah, j'avoue que j'y suis allé un peu bourrin, mais au final, ça a bien marché. Ça a super bien marché.
Ça va. On a combattu des nouvelles sirènes là, qui ont une armure de ouf. Mais ouais, je sais pas. Pour l'instant, je débat avec moi-même entre le laser et le ghost. Même pour les snipers, le ghost fait plus mal, le laser est plus précis. Donc quoi prendre? En théorie, le laser est mieux, mais bon. Alors, hop. Ok, ça marche. On n'a pas eu son origine. Ah, mais en fait, c'est même pas Manticore 1 qui va combattre. En fait, ça sert à rien ce que tu fais. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Hein, comme ça, ils n'ont pas besoin de se soigner, en fait. Ils ont juste à se reposer. Je vais devoir faire plus de... ça, là. De capsules d'hibernation. C'est 50 à chaque fois de tech. Mais il m'en faut plus. Il m'en faut plus si je veux trimballer les gens comme ça, éviter qu'ils doivent se reposer à une base. Il m'en faut beaucoup plus en fait. Il m'en faut pour tous les vaisseaux. Et quand il y a le behemoth qui revient, on passe en mode combat. Donc ouais. Bon ben voilà, c'était notre petite mission. Nous on va aller faire ça. Bon, on n'a qu'à y aller maintenant. Ça. Ah! Grande énergie de Dieu. Alors, lui et le reste du conseil d'Axte sont ravis de leur recherche leur soit restaurée. J'ai du mal à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait voler nos recherches. Je comprends qu'on veuille les copier, mais pourquoi vouloir s'assurer que nous ne puissions pas les continuer nous-mêmes? S'interroge le mec, avec une frustration évidente. C'est précisément le genre de logique néolibérale qui a mené à l'effondrement du système. La compétition avant tout, même la survie de l'espèce. C'est, je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est tout. Mais quoi qu'il arrive, je crois que nous faisons ici, Axte est peut-être insignifiant. Wow, je répète. Et peut-être insignifiant en comparaison du gros poisson, mais peut-être qu'un jour, cette technologie changera le monde à jamais. Pas dans l'immédiat ni dans les années à venir, mais un jour, nos actions porteront leurs fruits et notre petite contribution à la connaissance humaine pourrait faire une énorme différence, continue-t-il. Ouais. Ouh, ça c'est sympa ça. 815 de matériaux. Bah après, mec, on était loin quand même. On était loin de. Honnêtement, on devrait pas être que bienveillant, on devrait être mieux. Enfin bref. Bon ben voilà. Ça sera notre fin de vidéo. Bon, on a fini du coup l'histoire avec lui. On a récupéré pas mal de ressources. Ça c'est bien ça. J'en avais besoin en plus. J'en avais besoin. Bah du coup. On va en profiter. Ouais, il m'en faut deux. Parce qu'il me les faut dans le Manticore en fait, quand je transporte les gens. Comme ça, j'ai pas besoin de les reposer à la base, parce que sinon je vais pas pouvoir les utiliser et tout, ça va être la merde. Mais ouais, je suis content de là, mon équipe. Même d'avoir testé le Johnson Garcia là. Muté. C'est puissant. C'est quand même vachement puissant la mutation. Genre les stats et tout ça de l'armure et tout, c'est vachement puissant. Puis en plus, vous rajoutez ça ou genre esquive rapprochée. Avec le fait qu'il ait une armure bien élevée. Et l'immunité contre l'étourdissement, je pensais pas que ça allait marcher en fait comme contre ça. Hein. Ça, je suis assez impressionné, ça c'est cool. Parce que vu que c'est une habilité, je me suis dit, tiens, ça doit être 100%, peu importe si on a des résistances. Mais en fait, non. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Ça, il faudra lui prendre, à lui. 30% de restauration des PV bonus et 2 points de volonté. Je me demande si ça fonctionne pas avec son régène en plus. Je suis en train de me dire. Honnêtement, il est bien en fait lui au final. Je vais le prendre plus souvent, hein, le Berserker là. Il est pas si mal, hein. Il est vraiment pas si mal. Hein. J'avais testé dans une mission contre des purs là. C'était une mission de récupération de caisse là. Il y avait des purs ou une défense, je sais plus exactement. Mais j'avais testé ça, c'est pas mal aussi. La perforation. Je sais pas vraiment si c'est utile, mais bon, ça fait virus aussi.
Mais ouais, la masse, là, elle est pas mal. Ça fait plus de dégâts, par contre, j'avoue. Après, un truc qu'on peut faire, je crois, avec... honnêtement, les deux sont bien, parce que là, ça restaure plus de PV. Donc, le régène, je pense que ça doit fonctionner, je sais pas. Ça fera 13 au lieu de 10 HP, je pense. Après, la spécialisation pour les pistolets, ça c'est pas mal, ou les PW. PW, c'est les petites mitraillettes de d'ingénieurs, de techniciens. Et en plus, c'est 1 AP, je crois. Ouais. Donc, ça peut être vachement bien, en fait, son truc. Donc, ouais, les deux sont bien. Et ce qu'on peut faire avec lui, pour faire une autre classe, ça serait de lui mettre Mastodon. Prenez Mastodon. Comme ça, on lui met ça. Bagarreur, obtenez la maîtrise des armes de contact et réaliser des attaques au corps à corps et cogner avec 50% de dégâts supplémentaires. Mais c'est vrai que toi aussi, tu peux même prendre des armes au corps à corps. J'avais oublié. Putain. C'est vrai que j'ai pris ça, mais pour elle, c'est pas très utile. Mais au final, elle peut vraiment prendre une arme au corps à corps, en fait. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. tu vas te trimballer avec une arme au corps à corps de temps en temps. Comme ça, si tu perds un bras, tu peux toujours taper, quoi. Ça peut être intéressant. Ouais, peut-être que ça, ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça fait stylé. Par contre, c'est lourd. C'est le problème, quoi. Le fusil d'assaut est lourd. Enfin bref, je m'égare. Voilà. Donc oui, on pourrait lui mettre Mastodon en deuxième boulot. Pour qu'il ait bagarreur. Après le reste... Bah, cri de guerre, c'est sympa. Inspiration ennemi, octroie 1 volonté supplémentaire aux alliés, oui. Ça et... Ça, ouais, cri de guerre. Ça peut être pas mal. Après le reste, pas bof. Enfin, quoique Badamoum, c'est toujours utile en fait à tout le monde. Hein. Ça permet de lancer des grenades plus loin et pour un seul AP avec les grenades de purificatrice là. Incendiaire, c'est magnifique. Tiens, toi, on va t'augmenter ta volonté. C'est magnifique. Ça, il faudrait que je teste ça. J'ai pas vraiment regardé. Non, ça, l'explosion de rage là. Tirer 5 fois en arc avec une arme à projectile direct. J'imagine que c'est pour les armes genre comme ça là. On peut passer au-dessus des murs, des trucs comme ça. Mais ouais, bagarreur. Bon bah je suis content de Garcia. En plus il est classe. Allez, on va s'arrêter là. Ce sera notre épisode. Et la prochaine fois, du coup, je sais pas ce que je vais faire avec le Manticore. Peut-être qu'il va rentrer ou alors continuer d'identifier certains sites. Parce que j'ai encore des sites à faire. Ouais, on verra. Et la prochaine fois, parce que là je suis en train d'envoyer les Helios 1 et 2 à la mission de deuxième phase. Donc on va faire ça. Et après je ferai une pierre de coups. Genre la Manticore, elle va aller ici. Donc le Nipandorien, comme ça on fait ça. Et après on fera ça aussi, 3 jours. Il faudrait faire l'oiseau de feu aussi. Ah, peut-être que je peux envoyer les Manticore en fait. Pour faire l'oiseau de feu. Ça. Je vais voir les Manticores. Il y en a une ou une là. Celle-là, il faudrait qu'elle rentre en fait. Celle-là ici. Et c'est où l'oiseau de feu? Ça fait un peu loin. Ah, quoi que non. Ah bah non, c'est pas si loin que chez nous en fait. Ah. Ok. Non mais ben c'est voilà. Je vais me débrouiller. On va faire d'abord ces deux trucs. Plus ou moins en même temps. Deuxième phase et la recherche de l'oiseau de feu. Puis après on enchaînera sur la destruction des nids. Comme ça, on libérera donc ces deux-là. Bon,
On n'en est pas là avec Anu, c'est con, hein, on est à 44%. On n'arrive pas à aller à 49% en fait, pour le moment. Mais bon, on arrivera à 49% avec les nids. Donc voilà. Par contre, si je détruis un nid, je pense que je vais débloquer. J'arrête pas de parler, je sais. Mais quand je vais, détruire un nid, je vais débloquer du coup la mission d'Anu et il faudrait aller la faire avant de faire tout le reste. En fait, ce serait plus logique. Comme ça. Ce serait plus optimisé. En fait, c'est la route optimisée. C'est ça que j'essaye de faire. C'est optimiser la route à 100%. Voilà. Ça, par contre, ouais, il faut que je le fasse. Bon, bah voilà. Ça se passe bien. Ah, je suis content. Je suis content. On peut même faire un autre véhicule. Si on veut. Je suis pas sûr. Parce que pour l'instant, j'attends les recherches qu'elles se finissent. Genre, surtout le technicien. Parce qu'apparemment, il peut mettre plein de tourelles et tout. C'est super puissant. Donc, ça. Technologie neurotoxine pour qu'on puisse paralyser. Les implants neuro, je sais pas ce que ça fait. Classe infiltrée, ça serait... Oui, ça peut être pas mal. Berserker, ça c'est pour surtout débloquer leurs armures aussi, parce que leurs armures, je peux pas les faire, c'est chiant. Donc ouais. Les armes à contact avancé. Mais bon, on en a d'autres pour le moment. Le prêtre aussi, c'est vrai qu'il faudrait l'avoir, le prêtre. Les armes toxiques. Ouais. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Mais bon, on va aller vite. On va aller vite et puis on est assez puissant pour le moment. On arrive à bien gérer. Il me faudrait encore des véhicules en plus. Je vais choisir ce que je fais si j'essaye de faire un véhicule en plus. Par contre, comment on récupère les nouvelles technologies pour les vaisseaux volants là? Genre, ils disent que l'oiseau de foudre là peut être amélioré. Mais je l'ai pas encore en fait. Capsule de sauvetage. Mais je l'ai pas encore du coup. Ah, c'est peut-être une amélioration plus tard. Genre une autre recherche en fait de Jericho. Je pense. Qu'à la limite, ouais, peut-être bien tester des oiseaux de foudre de temps en temps. Mais bon. Pff, honnêtement, pour le moment, à part les Helios, je vois pas trop. En plus, je suis en train de me dire. Pour l'oiseau de foudre, si on peut augmenter sa capacité, c'est un module. Mais honnêtement, un module sans capsule d'hibernation, c'est la merde. Pardon, un vaisseau sans capsule d'hibernation, c'est la merde parce qu'à chaque fois, les gens doivent se reposer. Donc ils font deux missions, puis après ils doivent retourner à une base. Et toutes les bases n'ont pas des endroits pour se reposer. Donc si je peux avoir des vaisseaux avec que des capsules... Bah, autant avoir des trucs rapides comme les Helios, ou alors avoir un Tiamat pour avoir tout le monde d'un coup, quoi. Pas l'oiseau de foudre. Enfin bref, on verra ça. À la prochaine, portez-vous bien, j'ai un peu trop parlé. Ciao, ciao!